Donc, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la case numéro 3 du calendrier de l'Avent Lego City. Donc, nous allons faire comme hier pour le 2. Et bien, en fait, dedans, il est déjà fabriqué le truc. Comme ça, au moins, ça va plus vite. Et c'est plus pratique. Comme ça, au moins, vous pouvez le voir tout de suite. Donc, en fait, je vais vous expliquer pourquoi des fois je fabrique, des fois je fabrique pas. Parce qu'en fait, je ne ferai que les vidéos vite fait, le mardi matin et le mercredi matin. Parce qu'en fait, le lundi matin, je construis. Et le soir, j'ai tout mon temps pour faire ma vidéo. Puisque je finis très tôt. Ensuite, le mardi, je finis très tard. Donc, je dois faire tous mes devoirs et j'ai pas le temps de faire la vidéo. Donc, c'est pour ça que je la fais directement au matin. Donc, vous verrez la construction. Après, le mercredi, je finis à midi. Mais j'ai envie d'être tranquille l'après-midi. Donc, je la fais au matin. Parce qu'en fait, l'après-midi, en fait, le mercredi après-midi, je fais toujours des modifications dans ma vie. Comme ça, moi, je suis tranquille. Enfin, c'est toujours le jour des modifications. Voilà. Après, le jeudi matin, je finis tôt. Au soir, donc j'ai le temps. Le vendredi, j'ai le tôt. Je finis tôt aussi, donc j'ai le temps, le soir. Et ensuite, le samedi et dimanche, on a beaucoup de temps. Donc, en fait, c'est parce qu'en fait, le soir, des fois, j'ai beaucoup de devoirs. Mais tous ces jours-là où je ne fais pas, où je fais les vidéos au soir, c'est parce que j'ai des heures de permanence tranquille. Le jeudi, j'ai une heure de permanence pour faire tous mes devoirs. Donc, j'ai le temps. Vous voyez, donc j'aurai le temps. Donc, de toute façon, même le vendredi soir, j'ai toute ma soirée pour faire la vidéo. Donc, en fait, voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi je fais ça. Donc là, nous sommes au soir, et ce matin, j'ai déjà ouvert la case numéro 3, moi. Donc, du coup, vous ne verrez que la surprise. Mais, de toute façon, vous en fichez un petit peu, de comment je fabrique. Vous, ce que vous voyez, ce que vous préférez, c'est voir la surprise. Ça, c'est logique. Donc, je voudrais dire un dernier mot. C'est qu'en fait, tous les gens qui parlaient de moi dans leurs vidéos, en fait, ils disaient tous bizarrement mon prénom, comme Romain Mercier disait Julien Le Bref, ou encore Patricia Guévin qui me disait Julien Lefebvre. En fait, mon vrai nom, c'est Julien Lefebvre. Et pour que ça, pour pas que vous dérapez sur mon nom de famille, parce que c'est un peu mon vrai nom de famille, mais pas tout à fait, parce qu'il n'est pas écrit correctement, et j'ai changé. Je m'appelle maintenant Julien le Legoman. Oui. Comme ça, j'ai trouvé une idée. Donc, maintenant, j'ai changé de nom. C'est Julien le Legoman. Je suis bizarre. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais nous allons ouvrir la case 3. Donc, la case 3 se trouve là. Voilà. Donc, nous allons l'ouvrir. On est un peu éloigné. Donc, bien sûr, j'ai déjà ouvert. Je vous l'avais dit. Et qu'est-ce que vous avez dedans aujourd'hui? Le sapin de Noël de Lego. Bon, normalement, il y a une étoile. Ça veut pas dire que je l'ai perdue. Hein. C'est parce qu'en fait, c'est dans une autre journée. Je sais pas laquelle, parce que moi, je connais que seulement les cases du 1, du 2, du 3 et du 24. Mais ça, je vous le dirai pas. Après toutes les autres cases, j'en ai aucune idée ce que c'est. Aucune idée. Vraiment, je ne sais pas. Parce qu'en fait, la case 1, 2, 3, elle est marquée derrière la boîte. Et la case 24, comme vous le savez, un peu tous, c'est un peu normal. Tout le monde doit le savoir. À moins que quelqu'un ne le sait pas, ce sera le suspense pour lui-même, celui qui ne connaît pas. Donc, aujourd'hui, vous avez le sapin de Noël. Donc, en fait, l'étoile, elle se trouve un autre jour, je pense, puisque on ne l'a pas aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est la boîte, il est dit qu'il l'a. Donc, ça veut dire qu'on l'aura plus tard. Donc, voilà pour la surprise de la case numéro 3 du calendrier de l'Avent Lego City. Donc, voilà. La vidéo est déjà terminée. Donc, nous avons déjà trois choses. Le petit pompier. La petite scie avec sa bûche. Et maintenant, nous allons ajouter un nouveau truc. Le sapin de Noël qui se trouvera là. Donc voici le paysage.
Donc en fait, j'ai juste une idée, c'est qu'en fait, moi je sais très bien dessiner les Lego, hein, les dessiner. Donc bah j'ai peut-être, ce que j'ai déjà commencé, c'est que je vais dessiner et je vais créer une BD Lego, mais pas sur Internet, là, vraiment la dessiner, hein. Donc bah je vous la présenterai dans une vidéo, si vous voulez la voir. Mais bien sûr, ça me prendra du temps parce que c'est long, hein, à dessiner. Mais ne vous inquiétez pas, quand j'aurai fini, je vous la montrerai, puisque vous. C'est quand même mes amis sur YouTube. Donc bon allez. Cette vidéo a duré quand même assez longtemps. C'est parce que j'ai raconté ma vie. Comme tout le temps, hein. Je peux pas m'en empêcher. Et donc demain, le 4 décembre, ça ira très très vite la vidéo. Comme je vous l'ai dit, très très vite. Je dirai bonjour, nous allons ouvrir la case numéro 4. Donc je vais l'ouvrir, tuk tuk, je vais fabriquer le truc, tuk tuk tuk. Et donc voilà, dans la case numéro 4, vous avez ça. On va le placer sur le plan là. Donc après je dirai au revoir. Donc là aujourd'hui, si j'ai une voix un peu bizarre, parce que bon, c'est un peu normal, parce que j'ai un petit rhume. Tout le monde a droit d'être malade. C'est vrai. Donc allez, au revoir.